Oula, Maeva Gadam et Victoria. Bon, Maeva, c'est vrai que c'est ma pote, on s'adore, mais c'est vrai que mon style, c'est plus vivite. Ma petite vivite qui va très vite. Ouais, c'est plus mon style. Bah, Victoria, bah, j'aime bien, en fait, c'est une sportive, quoi, là, une grande sportive, un beau visage, voilà, c'est tout. Maeva, sportive, bon, sportive à ses airs, mais elle a un beau visage, Maeva, elle sait. Mais bon, après, voilà, c'est juste les goûts, quoi, c'est comme ça. Ah, Léa. Léa, oh la main. Bah, Léa, quand elle est arrivée, j'ai dit, c'est quoi ce truc, carrément? Parce que c'est complètement mon style. Et elle avait un charme de malade, et j'ai dit, waouh. Donc voilà, quoi. Bon, c'est une jolie fille, Mélanie. Après, c'est moins mon style que Léa. Emma et Safia. Alors, physiquement, je dirais Emma, mais mentalement, je dirais Safia. Ouais. On se correspond plus avec Safia au niveau mental qu'avec Emma. Mais Emma, bon, j'en parlerai plus. Mais il faut que je sois sincère à un moment donné dans une petite aventure aujourd'hui. Camille Froment, Hilary. Alors, ouais, c'est deux qui se ressemblent un petit peu, quoi. Mais ouais, je veux dire, Camille Froment, j'aime bien. J'aime bien sa façon d'être et son caractère. Hilary, elle a beaucoup de charme aussi. C'est dur, franchement, c'est dur à choisir entre les deux. Ouais, bah, mon côté indécis revient. Oh putain. Oh, prêt. Alix et Anissa. Alix. Bah, même si Benji, c'est mon meilleur ami, il n'y aura jamais rien avec Alix. Mais ouais, bien sûr qu'elle est plus belle, Alix, que Anissa. Enfin, moi, c'est pas mon style, Anissa. Natania, j'aime les sportives. Bon, après, je sais pas si Sarah Martin est sportive ou pas. Je la connais pas vraiment, mais bon, physiquement, je trouve qu'elle est un peu plus sportive, Natania. Ouais, le visage aussi, Natania. On met tout du côté de Natania. Allez, on envoie tout. Tiens, tiens tout. Laura et Mila, c'est plus mon style, Laura. Même si c'est amical, c'est vraiment complètement amical. Et même Mila, je l'adore. Mais c'est vrai que si je devais choisir entre les deux, ben, je les aime bien les deux, mais c'est vrai que Laura est mon amie et c'est vrai que je la trouve plus belle. Alors, Léana et Sarah Frézou, bon, j'ai déjà Léana. Un beau visage, Léana. J'aime bien. Un beau corps aussi, bon, c'est la vérité. Bon, après, c'est vrai que ça déforme. C'est vrai que les formes, moi, j'ai un peu de mal, mais c'est un beau corps. Après, il y en a qui aiment, mais c'est vrai que Léana, costaud. Jus, t'inquiète. C'est juste mon avis. Mais Ilona, ta femme, est mieux. Enfin, non, c'est vrai qu'Ilona est mieux que Fiji. Enfin, moi, c'est de mon avis. Après, je m'entends super bien avec Ilona. C'est la mif complet. Mais même Fiji, je la connais pas du tout. Et puis, c'est moins mon style, quoi. Amadi. Ah, c'est la Champions League. Fini par la Champions League. Hein. C'est top. Après, je crois qu'il y a la Coupe du Monde. Après, bon, la Coupe du Monde, il va falloir la trouver, mais là, c'est la Champions League finale. Voilà, elle a tout de beau, en fait. Je dis la vérité, elle est magnifique. Elle est magnifique comme elle est et qu'elle reste comme ça. D'ailleurs, qu'elle change rien, qu'elle n'en rajoute pas et qu'elle n'en enlève pas. Voilà, c'est tout ce que je lui demande. Bon, la plus belle candidate ou ex-candidate de la réalité, bon, je ne me suis jamais caché, là. Tout le monde, je l'ai dit. C'est vrai que bah, cette fille, pour moi, c'est la perfection. C'est Caroline Receveur. Elle a tout pour elle. Après, je la connais pas personnellement, honnêtement. Mais c'est vrai que physiquement, elle est magnifique. Et d'ailleurs, bravo son homme. Parce qu'elle forme un beau couple, tous les deux. Mais très jolie femme.